En amor ni cosa con. Camouille, s'il te plaît. Y'a votre aide, s'il te plaît. Eh, Ngaye. La tienda qui est sous ma soya, la tienda qui est mon kimono. Ino le lobo, bon malité, vous y mettez pas si elle va l'y foya. La tienda qui est sous ma soya, la tienda qui est mon kimono. Ino le lobo, bon malité, vous y mettez pas si elle va l'y foya. Ino le lobo, bon malité, vous
Et j'étais facile à l'écouer. Dimole no tuvo malite, y vete pa'si eva licuea. Dimole no tuvo malite, y vete pa'si eva licuea. Salama de este. Politique, papa qui soke le loukelo, du fils dit papa Djelungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique, et le Saint-Esprit dit papa Diangienda Kuntima, celui-là même qui aujourd'hui, avec le patronyme de papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est donc mon modèle spirituel. Chers amis, je me permets de venir en face de vous ce soir, veille du D-Day, le D-Day. Je me retrouve plus française, c'est en Occident, l'Europe occidentale. Avant de continuer, je veux faire appel, on va faire un VAR. Je vous avais promis ce matin que je reviendrai. Je vais faire un VAR, vidéo access referee, c'est-à-dire un retour en arrière. Et ici, on est donc en 1900,
Nono Teya. Et qui va parler? Je vais appeler celui qui a fait que nous nous soyons, le divin glorieux, celui qui a fait que les ossements desséchés soient revigorés. Celui qui a structuré, moi je l'appelle souvent, le structurant de la nouvelle civilisation. Sans plus tarder, mes amis, allons voir, écouter ce que va nous dire Papa Fumualongo Diangenda Kutima. Suivons. Je vis à la le 6 juin. Le 6 juin, tu négliges d'être un mince. Kasi makasi matatan zambi mamona na kile mkolo wana mwale si juwe mwale sabete ya wana nzambi aluga tete ye mwako atina ki papa ya wana mwale makamwana mwale kachi mwale wala mwale mwako na kumituna ka tango pambate na mwana kindenge baya kwa kamata papa kindenge mbungi mwako taki na nkamba kasi na mwani baba ni kubeka papa kuna kasi na mwani papa ayo kushabisu kasi kutika bisu na ndi mankenge ajungi na ye yukuna baya kututa kaya kasi papa kujunga ni sisi kuna ndi e batu wazali kuna e sika wana baka tozalaki ndenge tovadi liwa mwani nga ikakawa ale tata ayo kamata ndayi baba mwambaza na mama papa kunutu esika papa kaka kakamiki bisu soko yilo kunini mema kabisu tina ndi makenge chasali meme 2 minuti tete kumina ndi makenge mito kenjula kena yilo kunini tangu tomoni tu kumina kati na esobe tebandi kutala kasi esika tetuni mama mesika nitu sito kumi nee jisa mutimu Tuhu andi tuza kutalaka. Ye baba jungi. Ndenge na ye ndenge msusu. Tangu bayo kuzungula ye na anjelu. Ndenge bazala kupeta kwa mamami mkala wana. Na anjelu lumina mzete ya safu. Nyingi ba mizisi ba mwana kinzete wana. E mingi ba utosala kinda kwa nzambi. Tuhu mwana kifundeswa. Tuhu mwana kisoko tuhu mwana kite. Wana na mwadi dufu wana anjelundu ya bimaki metangu wana bisu zane bisu na bimaki ini muke muke papa yungu kama tabisu laki kuchika bisu zama msusu laka siye papa ndingi nime usala kabisu boy nungana lingike nebatu msabini lukulangai mamama na batata nzambe azali nzambe ye azali na metode nyoso tu ya kubiki samwana na ye yangu wada toza la na makasi na rikamboyo toza la kulibira na makamboyo na zala kutungu sabino mingi na sena libilibini yangu kwa sibu mwende hume gijala misu me oyu zala kuya kwa mwende hume sako mbingi nini yangu kuzala to chia mwende to kamata makamu na biso sorie toza la na bulimu mwende Je vis à la qui le 6 juin. Tozala Nabolingo Monene. Ça c'est le 6 juin. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. La deuxième forme physique de celui qui a fait que la matière soit. L'esprit qui errait sur le zoo et qui a décidé de prendre corps le 12 septembre 1887. Et le 6 avril, il commença. Cette action qui consiste à restaurer l'humanité dans son état premier. 6 juin. Ici, j'ai des repères. Pour ceux qui veulent avoir la précision de lecture, je vous prie d'aller chercher le livre qu'on appelle le kibongisme. C'est un document
compilé par le docteur en biochimie, Reverend Pasteur Bandouzi. Ce support que j'ai souvent usage pour travail, pour le travail, le kimbonguisme, allait se livre 4 du ministère au chapitre 33, livre 4, le livre 4, le ministère, chapitre 33, au verset 42. Le kimbonguisme, livre 4, le ministère, verset 42. Et ça, c'est l'oracle, donc, de Papa Simon Kimbangu, le 10 septembre 1921, à Madansanda. Papa Kimbangu parle. Non, je vais commencer par le verset 41. Pour son intégralité, s'il vous plaît, je vous demanderai de lire intégralement. Mais je crois que l'esprit me demande de lire intégralement parce que on martelera sur le verset 41 et 42. On est le 10 septembre 1921 dans une bourgade à quelques encablures donc de Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, où Papa Simon Kimbangu se réfugie donc après cette arrestation avortée dont Papa Mfumalongo vient de faire état ici. Papa Kimbangu donc se séjourna à Mbanzansanda, Samari Diampa. C'est là-bas que sa divinité, dans sa forme première, donc, œuvra et émettra cet oracle, que nous qualifions comme l'oracle de Mbanzansanda. Alors, chers papas et mamans, mes chers followers, pourquoi je vais faire état de cela? Une introduction est nécessaire. Demain, en Normandie, c'est une région de la République française, dans l'ouest de la France, va se passer un événement. Les chefs d'État du monde occidental vont se retrouver pour célébrer l'an 80 ans donc du débarquement, le D-Day. Mais pourquoi le D-Day? Parce que entre 39 et 45, les Occidentaux, entre eux, ils ont eu des incompréhensions dans leur manière de faire, leur manière d'agir, ce qui avait provoqué ce qu'on appelle, ils appelaient, entre guillemets, la Seconde Guerre mondiale. Chers papas et mamans, Papa Simon Kimbangu, le 6 avril 1921, il commence son action ministérielle, je vous ai dit tout à l'heure, pour restaurer l'humanité dans son état premier. Qu'est-ce que c'est que restaurer l'humanité dans son état premier? C'est de remettre l'homme dans les dispositions initiales avant le coup d'état de l'Éden. Parce que à l'Éden, ça se passait en Kamba, notre ancêtre premier, Nkakambuki, le premier Bantu, c'est-à-dire le premier humain, Bantu, Wantu, le premier. Parce que le mot Bantu, ce n'est pas Bantu, non. Quand vous dites Bantu, vous dénaturez le sens de l'expression. C'est Wantu, ou Bantu. Ba, c'est le pluriel, Ntu, donc les premiers, la tête. Et donc, Papa Kimbangu, le 6 avril 1921, commença donc cette action. Et donc, il se réfugia donc en Mbanzansanda parce que le monde occidental avait décidé autrement. Dans leur posture. Chapitre 33 disait tantôt du livre 4, le ministère. Chapitre 33, je vais lire les versets et je verrai là où je voudrais m'arrêter. Avant son départ de Mbanzansanda, le samedi du 10 septembre 1921, et un visage grave, Papa Simon Kimbangu, celui donc qui révèle le sens caché des choses, fit une dernière, il émit donc un dernier oracle, plein de prophéties. Dans cette assemblée se trouvait aussi mon modèle politique,
papa qui sont gelé lokelo, papa Samuel Diakanoa, maman Mikala Mandombe Lukikulu, papa Emile Zola, papa Matufuene, papa Lenge, papa John Lumbwene, papa Mbeya, papa Mata, papa Samson Batoba, papa Kim Vilakani, ainsi que ses trois secrétaires. Ce qui prenait note donc pour lui, papa Stéphane Mfinangani, papa Pierre Nzungu et papa Simon Nzumbu. Ainsi donc, on est au verset 3 du chapitre 33 du livre 4 du ministère, papa Simon Kimbangu, dans le kimbonguisme. L'esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Est arrivé. Zimpangizame. Mpeve unza isi vo. Ntangu yikivana kwa miyadi yifwene. Dear brethren, the Spirit has come to reveal to me that my time is over. I should go to present myself to authorities. N'oubliez pas qu'avec mon arrestation commencera une période d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. L'utomaza yavo munkanda ma ame yiyantikila ntangu yantisibeni zampila mpasi zalunyoko mumono kibene ye ndonga bantu. Keep this in mind. My arrestation will open a terrible period of raw persecution to myself and to a crowd of people. Mais il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Tusiama kadinzambi eto mpungutu lendo kalendi kutu yambulako kayambulanga ndiona ukivananga kwa yandiko ukuntombanga. You should be firm. The spirit of Almighty God, Nzambia Mpungu Tulendo, will never abandon or dwell his confidence into him. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elle ne parviendra jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu. Mfumuzalu yalu sibakanga kinsuni kyame ntangu ya ndabeni kanti kabalenda fuasa salukyame ko kadikwa tata nzambi kitu kidi
avantal over mental authorities will into long silence my flesh. I mean my physical body, but will never destroy my master chief work I had accomplished in comes from God Father. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. Quel est le cas? Kinsuni kiame sikia sakana nwa ye mweso ambasi kanti kimpeve kiame sikia nwana ye mavanga mami kangu mianti atombe Mikangu nyanti atombe. Mikangu nyanti atombe. Bezi kutu yadila. Truthfully, I'm saying my flesh will be induced to humiliation and sorrows. But my spiritual body will be used to fight against injustice which has been imported by people of darkness, occult people, occult world, here to colonize us. J'ai verset 6, s'il vous plaît, du livre, du chapitre 33, du livre 33 du ministère dans le kimongisme. On est au verset 6. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et tous les hommes noirs du monde entier. Tout ce peuple qu'on avait qualifié de noir. Vous savez, le mot noir vient du latin négriti, et négriti qui veut dire objet de peu de valeur. Donc nous étions peu valeureux à leurs yeux. D'où la persécution dont nous étions victimes et comment on nous maltraitait. Parce qu'on nous avait qualifié de noir. Je rappelle, noir qui vient du négro, négriti, et négriti en latin qui veut dire objet de peu de valeur. Mitata Kimbangu dit, j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Congo avec le K, s'il vous plaît. Avec le K, c'est-à-dire l'entité administrative aujourd'hui qui s'appelle Angola, qui est donc la tête de Tata Kimbangu, Yaya Kanda, l'abdomen que le royaume divin Congo, actuellement appelé RD Congo, RDC, mais bref, le pays est le seul unique au monde qui est bordé de 9 pays. Et le petit Congo, les pieds de Tata Kimbangu, telle est sa disposition. Le Congo avec K et non avec le C de la bestialité. Quand je parle de la bestialité, je fais allusion à l'animal. Animal, donc bête, animal, donc animé maléfiquement. Parce que c'était une décision de Berlin